Bonjour, merci d'être avec moi pour cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose qu'on a déjà vu dans le sens où vous en avez vu partout. J'ai déjà fait un tuto là-dessus. Et je vois beaucoup de questions, des gens qui se demandent « Oui, mais pour la déco, pour le goût, c'est... » En fait, je reviens de nouveau, j'avais dit j'en ferai plus, mais je reviens de nouveau sur le letter cake ou number cake, ça dépend de ce que vous faites, pour en fait faire une nouvelle variante. Je n'en ai pas vu du tout, du tout, du tout. Ouais, si j'en ai, moi, c'est pas grave, mais je n'en ai pas vu. C'est cette nuit, je lisais vos commentaires et je sais pas, un commentaire qui était sur l'autre vidéo m'a fait penser, me suis dit tiens, et si on en faisait des cupcakes? Juste pour changer, donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire des cupcakes. On va garder la crème pâtissière, on va garder notre décoration. Donc la variante, ça va être qu'on va avoir des cupcakes bien moelleux avec la crème pâtissière mise différemment. C'est la Saint-Valentin bientôt, donc ça peut éventuellement être une idée pareil de cupcake pour la Saint-Valentin. Donc voilà, on va commencer par la crème pâtissière, comme ça elle aura le temps de bien refroidir. Ensuite on va faire cuire les cupcakes. N'oubliez pas de prendre vos fleurs comestibles. Donc moi ici en France, je précise en France parce que j'ai regardé l'autre vidéo, elle a été vue dans 155 pays, donc il n'y a pas que nous Français qui la voyons, mais ici en France, je les achète au supermarché, enfin non, chez le primeur, pas au supermarché, chez Grand Frais. Et ils auront toujours des variétés différentes. J'en ai trouvé des belles ce matin, elles n'étaient pas toutes belles. Mais celles-ci, celles que j'ai prises, bah, c'était, il y avait de la couleur, elles étaient jolies, je vais vous les montrer. Et donc voilà, chez le primeur, normalement, j'ai vu qu'il y avait plusieurs magasins où vous pouviez en avoir également. Je pense qu'avec cette trend, cette mode du moment, tous les primeurs doivent se fournir en fleurs comestibles. Ça va être de moins en moins difficile d'en trouver. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Donc comme je disais, on va commencer par la crème pâtissière. Pour ça, il nous faut 250 ml de lait, 50 g de sucre, 30 g de maïzena, 2 œufs et une cuillère à soupe d'arôme de vanille. Alors, on va mettre à bouillir le lait et la vanille. Le lait est en train de bouillir. Pendant ce temps, on va battre le sucre avec les jaunes d'œufs. Une fois que c'est fait, on incorpore progressivement la maïzena. Une fois que le lait est bien chaud, on le verse sur le mélange. Ensuite, on remet sur le feu et on laisse chauffer jusqu'à ce que ça épaississe. On met à feu doux. Voilà, la crème commence à épaissir juste avant la première ébullition. Ensuite, on met la crème dans un plat propre. Après, on filme au contact et on laisse refroidir. 140 g de farine, 120 g de sucre, 120 g de beurre fondu, 2 œufs, 3 cuillères à soupe de lait, 1 demi-sachet de levure, 1 cuillère à café de vanille liquide. On va mélanger le beurre fondu avec le sucre. Ensuite, on ajoute les œufs et on mélange. Ensuite, on ajoute la farine et la levure. On mélange. Et à ça, on ajoute le lait et l'arôme de vanille. Lorsque notre mélange est prêt, on prépare nos caissettes à cupcake. Lorsque c'est fait, on prend notre préparation et on remplit les caissettes aux 3/4. Une fois que ça c'est fait, on fait cuire à 200 degrés pendant 20 minutes. J'ai pris une douille un peu dentelée. Donc là, le cupcake, il est refroidi. On va commencer par les bords. On appuie et on tire. Je vous ai déjà montré, hein. On ne colle pas la douille sur le cupcake. On laisse
1 ou 2 mm et on décale légèrement, on ne le colle pas là, donc on le décale un peu, on appuie et on tire. Et on va faire ça tout autour. Lorsque ça s'est fait, on prend nos jolies fleurs, vous avez vu un peu, et on décore comme on en a envie. Hop. J'enlève la tige, j'ai vraiment pas envie de l'abîmer, j'ai pas envie de tout enlever en fait, je trouve ça trop joli. Hop. On va mettre quelques pétales. Donc là ça fait grand, je sais pas si je mets ça en entier sur mon cupcake, ça va prendre toute la place, mais c'est tellement beau. Hop. Faire ça comme ça, pourquoi pas. Voilà. Ils sont pas trop jolis, vraiment. On se croirait pas plutôt en été. Moi, je me vois bien siroter une limonade à la menthe sur une plage, sur un transat, en plein soleil, avec mes cupcakes. Ça fait plus été que Saint-Valentin, mais c'est pas grave. S'il y a de la couleur, ça, j'adore. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, mes cupcakes façon letter cake number cake. Voilà, j'ai été inspirée pour ce tuto. J'espère que ça vous a plu. À bientôt pour une nouvelle recette.